Il n'y a plus de taxes d'habitation. J'aime bien ce live cosy, ça part toujours en discussion. Moi, j'aime bien. Oh, on est exonéré normalement. Je regarde. Hein. Ah non, 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 non. Non, rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit, 15% de taxes d'habitation, ça fait plaisir. On verra bien. Il y a plus de... Il y a plus que la taxe audiovisuelle. C'est le truc qui compte le nombre d'écrans que vous avez chez vous. Je vois, je vois. Bon alors, jour 7, c'est ça? Je crois, comment on voit? Ah c'est ça, jour 7. Qui se souvient pas du jeu? Bon, normalement on y joue tous les jours une petite heure, donc, sauf si vous arrivez que sur du DBD. Eh bien vous devez être perdu. Il faut que je me cache, c'est vrai, ce qu'on fait les voix. Hop là! Moi! Des tas de feuilles! Voilà, le principe du jeu c'est de récolter des trucs. Genre là, par exemple, il va y avoir du minerai. Et aussi d'aider des ours fantômes. Voilà, il y en a plein à aider aujourd'hui, ça va être chouette. Let's go. Moi, j'ai très hâte de donner les nichoirs. Hein. J'en peux plus des nichoirs. C'est parti. On dirait que ce vieux manuel de scout contient quelques infos sur le renforcement d'outils. Apparemment, on peut renforcer autre chose que la pelle, les pioches aussi. Et si on voyait ça comme un projet commun? Amène-moi les matériaux indiqués dans le livre, je m'occupe du reste. Alors, il faut de la cendre de relique. J'ai pas de relique, moi. Ah, il faut les trouver. Alors, les reliques, il faut les trouver. Salut, Adibouprofène! Ah, Ibouprofène, pardon. Quoi, Adibou? Terrible. Ibouprofène, ça fait tellement longtemps. Comment va? Hello, hello. Ah ouais, de reliques. Alors les reliques, c'est avec le bâton. Je crois que tu peux en avoir qu'un par jour parce que la dernière fois, une fois qu'on l'avait trouvé, on n'avait plus rien. Alors peut-être qu'Hippie pourra m'indiquer si je suis dans le faux ou pas. Ah mais je l'ai pas. Après, il n'y a plus rien. J'ai bien l'impression que c'est qu'une seule par jour. Mais elle veut vraiment que je brûle mes reliques alors que je les ai pas. Et ouais, ça fait longtemps, ça va bien. Bah écoute, ça va bien. Depuis le temps, j'ai déménagé. Un par jour et un deuxième si Flamme a assez mangé. D'accord. On enchaîne des nouveaux, des nouvelles, des nouveautés des jeux. Et puis tout à l'heure, je vous ferai des annonces que normalement vous avez vues sur le Discord. Mais pour ceux qui ne sont pas sur le Discord, je les ferai aussi sur le live tout à l'heure pendant DBD. Parce que c'est là où on est le plus nombreux. Ah oui, c'est vrai, sa voix, lui. Salut, partenaire. Récemment, je fouillais dans mes souvenirs et je me suis rappelé du premier objet que je fabriquais. J'avais 11 ans, c'était un nichoir à oiseaux que j'avais appelé la maison pinson. Je me demande s'il est toujours dans le coin. Bien évidemment, c'est pas du tout le même nichoir que j'ai dans mes affaires. Ce jeu, on dirait Don't Starve, mais en plus mignon. Les inspirations, c'est Don't Starve et Animal Crossing. Grosso modo, tu es sur une île, t'as un scout à l'écoute, donc le travail des scouts à l'écoute, c'est d'écouter les fantômes pour les aider à passer dans le delà et donc tu les aides à retrouver leurs souvenirs en faisant des quêtes et voilà, et en leur ravivant la mémoire. Et tous les jours en gros tu as une certaine quête à faire et c'est un jeu journalier, c'est-à-dire que tu ne vas pas le one shot, c'est pour ça qu'on y revient tous les jours en ce moment et que je fais des petits épisodes que tu peux retrouver dans les vidéos. Là on est au 7e jour, donc ça fait une semaine qu'on y joue.
Et l'histoire progresse petit à petit. On débloque des oursons en donnant des bûches magiques, un feu qui ressemble beaucoup à calcifère. Voilà. Et on peut faire de la nourriture, on peut fabriquer des objets. Tout ça, tout ça. Aïe, ma tête! Pas de leçon de morale, pas de question, prépare-moi ça, c'est tout. Super, les gars. Le gars, il s'est mis. Il s'est mis la misère avec un grog et maintenant c'est à nous de lui. C'est à nous de lui le remettre sur pied. Bien évidemment, j'ai posé l'ours effrayant qui est ici. Alors ça c'est mon endroit, voilà, j'ai fait évoluer la tente, j'ai plein de trucs que je peux ranger et tout. Oh, lui il veut une patate. Il y a un lore, oui, il y a un petit lore. Pour l'instant il se développe très très succinctement, mais... Tiens, petit cœur, tu viens de manquer l'une de mes promos du tonnerre. J'ai fait une distribution de muffins au noyau confit. Cela dit, il y a comme un petit problème. Toi, les problèmes, ça te connaît, pas vrai? Tu vois, c'est déjà plein de badges et du mérite. Chacun représente le problème d'un fantôme. J'ai déjà reçu un ou deux problèmes, c'est vrai. Ouais. Eh ben, ça fera trois. Ouais-tu accidentellement utilisé le bon cure-dent dans mes muffins? Ce avec la finition en lac. Je ne dis pas que la boulangerie a des difficultés financières, mais je ne peux pas me permettre d'acheter de nouveaux cure-dents et de continuer à payer le loyer, tu comprends? Alors, si quelqu'un des scouts à l'écoute était assez aimable pour récupérer ses cure-dents et me les rapporter, ce serait vraiment un immense soulagement. Ok. Très bien. On doit récupérer des muffins. Chouette, enfin des cure-dents, mais auprès de muffins. Des gens qui ont mangé des muffins. Oh là, tellement de gens, tellement de gens. Et encore, on n'a pas vu tout le monde. Alors, c'est parti. La nuit dernière, mes amis, les arbres se sont mis à murmurer. Ils disaient que j'avais perdu quelque chose d'important et qu'il était temps que je le retrouve. Tu fais partie des scouts à l'écoute, pas vrai? J'ai appris à communiquer avec les enracinés. Ils peuvent peut-être t'envoyer une vision, une image de ce que j'ai perdu. Attends, maintenant il faut que je... Quoi? Faut que je trouve une statue ours. Ok. Ça en fait des choses à faire. Oh, j'ai ma boîte aux lettres, c'est vrai. Oh lolo! J'ai initié le reste de la troupe aux animaux fantômes. La plupart du temps, on voit des oiseaux dans cette région, mais il arrive aussi qu'on aperçoit un cervidé fantôme. Oh! Savais-tu qu'il était attiré par l'énergie positive? Alors continue tes bonnes actions et tu auras peut-être la chance d'en voir un. PS, je te transmets l'étrange message que j'ai reçu de la direction. Oh non, pas Cozy Grove. Ah super! Super! Oh non, la pauvre! Elle est partie sur Cozy Grove! Ah oui, bah ça, c'est mes commandes. J'ai commandé des trucs. Du tofu. De la bouffe. Une panna cotta, voilà. Alors, salut l'adepte des lettres. On m'a informé ce matin que l'avion psychique était passé. Encore des colis perdus, je m'en occupe. Tu n'as pas envie de changer de service avec les scouts à l'écoute? Parce que tu as une vraie passion pour le courrier. Tu devrais y réfléchir. Enfin bref, si jamais tu vois un cosy adressé à Patrice Fourrure, envoie-le-moi. Ah, parce qu'ils reçoivent pas des colis, ils reçoivent des cosy. Des colis, je sais plus quoi. Ah, bref, c'est terrible. Let's go! Bon, je crois qu'il nous manque encore une personne. Matiétons ça. Normalement, on a le maire. Enfin, la maire. Qui est arrivé. Je récupère ce qu'on peut récupérer. Et on va redonner un peu de couleur. À cette île.
mauvaise nouvelle. Tes papiers étaient prêts à être envoyés. J'avais même dessiné des petites pattes d'ours au-dessus des i. Mais quand je suis arrivée au service compétent, j'ai regardé dans mon sac et tes papiers avaient encore disparu. C'est impossible que je perde ces papiers deux fois. C'est forcément un mauvais tour de ces satanés diablotins. Les diablotins, c'est à cause d'eux si j'ai de l'hypertension artérielle et le gauche qui saccade. Mais qu'est-ce que nouvelle c'est ? Et pourquoi est-ce qu'ils refusent de partir d'ici ? Désolé. N'était pas un comportement digne d'une mère. C'est juste que, sans ces trois documents, je ne peux pas t'accueillir officiellement dans notre ville. Ah là là. Terrible. Elle perd tout. Alors, eh ben let's go. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Je me souviens à peu près de l'endroit où j'ai vu ça. C'était près d'une bûche tombée par terre. Un des diablotins l'a pris. Pourchasse-le. Ok. Bon, allons pour chasser des diablotins. Je crois qu'il y en a un qui voulait une patate et j'ai pas de patate. Il va falloir fouiller des tas d'herbes. Oh, j'ai le champignon vénéneux pour faire son truc anti-mal de tête, là. C'est quoi ce point d'exclamation, là? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il point d'exclamation? Ah, une patate! Je vais pouvoir l'envoyer sur l'autre. Go, go Power Rangers! Alors, près d'une bâche, il y a un colis. Ok, on a trouvé le colis, c'est déjà ça. Une quête de réaliser. Une! Et je vous ai tous perdu. Ça y est, je vous parle plus de mes cauchemars chelous. Oui! Soit ton lapin, il joue à Animal Crossing. Il a trouvé un meuble. Ah, j'ai plus la patate. Puisqu'il m'envoie seulement la notif. Terrible! N'oubliez pas de rejoindre le Discord pour avoir les notifs. Hein. Et au cas où, Twitter, ça marche aussi. Il y a des tweets automatiques. Salut la Pinoux! Parce que Twitch, des fois, il est un petit peu en retard. Ah, bah c'était pas elle qui avait les papiers. Salut la Pinoux, toi aussi, tu viens d'avoir les notifs! Ah, quand on sera partenaire, on aura les notifs rapidement. Et je crois qu'elles sont quasi instantanées quand t'es partenaire. Squat. Alors les notifs, c'est non. Les notifs, c'est non. Qu'est-ce qui t'arrive? Je dis de la merde encore, comme d'habitude, hein, quoi. Aucune notif nulle part. Ah. Mélo! Mélo! Mélo, fais voir. Mélo! Mélo! Fais chier. Elle a pas le badge. Bon, t'en es où là? Parce qu'elle est... Elle est à 4 points. 0,4 points du partenariat, les amis. Là, ça ne va plus. Je tiens plus. Hier, j'étais toute excitée. J'ai laissé la vue pendant toute la journée. J'ai host. Voilà. Donc, si vous connaissez pas encore Mélo, go aller la voir. On se connaît depuis les tout débuts des streams. Close enough, mais oui, les analyses n'ont pas bougé. Non! Comment ça? Hier, il y a eu Mass Raid et tout. Comment ça? Il y a au moins des gens qui ont dû rester. Ça va? Oh oui, ça va. Ça va, ça va. Regardez, nous ici, on a un petit commande de partenaire parce que, aïe, on reprend les lives activement. Là, plus rien ne nous sépara de cet objectif. Puisque avant l'éménagement, on n'était pas loin. Et là, il faut se ressaisir, les gens. Il faut se ressaisir. Qu'est-ce que ça peut bien être? Laisse-moi le secouer un peu. Je sais, c'est un hamster. Salut, Didi. Le protocole officiel ne tolère pas qu'on secoue les colis. Mais je sais ce que je fais, je suis un professionnel. Secoue, secoue, secoue.
Oh, je sais ce que c'est. Rip. Les chaussettes noires toutes neuves, génial. Elles sont parfaitement assorties à mon short. Tu pensais que ce serait encore une horreur, pas vrai? Il n'y a pas toujours du sang, des monstres et des explosifs, stagiaire. Parfois, c'est juste des chaussettes. C'est terrible. Lui reçoit des colis terribles. Oh là là. Ouais, bonjour, ça va, Didi? Encore un nichoir de qualité, mais on n'arrête pas d'en avoir un mug à grog. Incroyable. Est-ce qu'il veut se remettre une murge l'autre? Ah, laissez-moi passer, il y a trop de choses dans mon camp. Une pâte et deux. Bon, tant pis, je vais brûler le truc. Il me le faut pour la quête. Une murge, ouais, une murge. Et j'ai encore une fleur. Mettons-la, là. Voilà. Allez-y, les gars. Slurp, slurp, slurp. Arrêtez de boire! Mais oh! Bravo! Tu as trouvé tous les matériaux. Il ne me reste plus qu'à les faire brûler au-dessus de mon feu de camp bien alimenté. La fumée devrait renforcer la pioche. Et voilà! Il y a une pioche de pro maintenant. Elle peut briser de plus gros rochers et ne se cassera pas aussi facilement. N'oublie pas! Jeune scout à l'écoute, prends soin de tes outils. Et salut frère Mao. Comment allez-vous? Alors tes émotes, elles me disent quelque chose, Didi. Oh, c'est pas chez cette streameuse-là que je les ai vues. Bien, merci à vous-même. Bah ça va, écoute. Nous, on progresse sur Cozy. Petit à petit, on devient riche. On essaye. On essaye de devenir riche. Ah, machetta. La moula, c'est ça. Pas super de retard, bravo, hein, salut minute. Non mais ça, c'est parce que t'as pas vu la nouvelle... le nouveau planning. Le planning, c'est live le matin. Voilà, après, vous débrouillez. Et quand il y a des heures spécifiques, je le note. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Tout à l'heure, je vous montrerai... Eh, hier, j'ai bien travaillé. J'ai fait plein de trucs. Il y a une nouvelle commande qui s'appelle Théodule dans les points de chaîne. Voilà. Franchement, j'ai tout fait. J'ai fait des super flyers annonces pour les deux lives spéciaux qui vont arriver. Salut Théodule, tu serais pas un petit peu con? Eh salut Théodule, tu serais pas un petit peu con? Ils sont terribles. En plus vous pouvez les spammer. Ah je peux pas, mais je l'ai fait en fait, c'est ça. Alors les quêtes. Je me souviens à peu près de l'endroit... Ah oui, c'était à côté d'une bûche. Ça cherche près d'une sculpture de sable. Ok. Ouais, Théodule, vous pouvez le spammer. Quoi? Ah, c'était pas du tout ce qu'on cherchait, mais on a trouvé un muffin. Oh, notre muffin! Elle est où la pub pour Bachette? Ah oui, il faut que les modos ils le fassent. Parce que j'ai pas réussi à l'automatiser. Je crois que je l'aurais pas dit. Mais de toute façon, je crois que t'es le seul modo. J'ai pas vu de modo dire bonjour. Sa cadeau est plein. Oh, terrible.
Ça ne passait rien. Bah si, c'est important. De toute façon, je l'ai mis dans les points de chaîne. Quand tu cliques sur le point de chaîne, en dessous, il y a marqué « Cette commande est sponsorisée par Monsieur Minute Critique ». J'en suis où avec lui? J'ai une recette. Trop bien. Oh ouais, une autre recette. Oh là, plein de recettes. Vas-y, allez, j'apprends. Donnez-moi. Oh, une crème caramel. Donnez-moi. Salut, Auguste. Tout à l'heure, allez follow ma chaîne. Oui. Il stream ce soir, d'ailleurs, Minute, si vous n'avez pas encore vu. Il a fait déjà 2 streams. Oh, Minute, j'ai rêvé de toi. Enfin, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé qu'il y avait des voisins qui montaient sur ma loggia pour voler ce qu'il y avait dessus. Et que du coup, je te les amenais en mode « Appelle la police !» Voilà. Lui, il veut une patate. Voilà, j'ai raconté tout en détail au début du live, si tu veux revoir l'artif. Mais moi aussi, je veux la recette des churros. J'ai eu la recette des churros. Non mais c'est terrible, hein. Tout le monde veut les trucs que j'ai. Qu'est-ce que c'est? 2 yeux, 2 oreilles, 1 museau? Mais c'est en bois, qu'est-ce que ça signifie? Oh, petit être, je comprends maintenant. J'étais un peu dans le flou. Ça va peut-être te choquer, mais... Je suis une ours! Et c'est maintenant qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas un arbre. Une ours et une artiste. Et quand j'étais en vie, j'ai sculpté cette statue. Ça y est, elle se souvient qu'elle est un ours. Pub pour Meloka. Oui, allez suivre Meloka. Elle a 0,4 points du partenariat. 0,4 points. Elle va écrire sa petite lettre. Elle va envoyer. Et elle va recevoir la réponse en 24 heures. Parce qu'en ce moment, les réponses, c'est super rapide. Ah, ma petite Melo. La fille qui lâche rien. Franchement, elle a intérêt à avoir le partenariat. Parce que je vous ai... On vous a peut-être pas dit... Mais on a dit que quand on aurait le partenariat, on se ferait des sushis maison. Et moi, j'attends ça avec impatience. Donc, pour l'instant, il y a quelqu'un là. Ça va pas le faire, déjà. Il va falloir vous bouger le cul. Des sushis maison. Je pense devoir attendre 2 semaines ou 3. Ah non, l'Uni Disney. Ouais, on va à Disney aussi. Ça, c'est normal. La base. Hey, salut Trix. Mais voilà, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Alors, où on en est dans nos quêtes? Prêt un scooter de facteur. Go! Ceci est un caillou. Tout le monde a dit bonjour. Mais lui il a pas dit bonjour. Quel que je dois pourchasser? C'est lui? C'est bon, je l'ai. Den. Gimme. Ah, lui aussi? Oh non. non, c'était tout nos blagounettes. Du coup, il y en avait 2 côte à côte. Terrible. Coucou Uni, comment va? J'ai envie d'attraper celui qui est fâché. On m'avait dit que tu en avais dans le ventre, mais je n'arrive toujours pas à croire que tu aies réussi à tenir tête à ces diablotins. Tous nos concitoyens devraient prendre exemple sur ton attitude. Laissons tomber toute cette paperasse, je te souhaite officiellement la bienvenue parmi nous. Par les pouvoirs qui m'ont été conférés par les défunts électeurs de Cozygo, je te déclare officiellement ici chez toi. Si
Super, mon naufrage sur cette île est maintenant officiel. N'est-ce pas merveilleux quand tout devient officiel? Et en plus de cet honneur, il est d'usage de recevoir une bûche esprit de gratitude. Je suis certaine que tu en as déjà un paquet. Disney, c'est compliqué, Mélo. Je peux pas allumer mon attraction tant que le grand Manitou il nous a pas dit que les fées peuvent mettre la poussière de fées dans la machine pour les faire démarrer. C'est vrai. C'est terrible en ce moment. Mais ça va revenir peut-être un jour. Quand tout le monde sera vacciné, peut-être à la fin de l'année. Ouais, j'espère. Et comment va Trix? 24 heures. Ouais, bah je suis à peu près là sur DBD. Il y a plein de gens qui font un push. Et qui chopent des partenariats. Ils ont la réponse quasiment... Il y en a, ils l'ont eu dans la journée, tu vois. Après, ça dépend quel jour t'es, tu vois. Si par exemple, tu te fais ta demande un dimanche, je pense que tu vas avoir du mal à avoir ta réponse tout de suite. Mais sinon... Sinon, ça devrait être assez rapide. Un passeport annuel? Non, mais nous, on a une minute. T'inquiète pas. Je vais ranger un peu mes... J'avais deux bûches. Je vais ranger un petit peu ce que j'ai. Œuf au thé. Ah bah je viens d'avoir la recette. Alors comment on fait ça? Ah ça. Il faut du sel j'en ai et il faut un œuf. Je vais aller voir mon petit oiseau. Ça va me donner un œuf. Oh il a pas faim, c'est bizarre. Quoi mon ami? Pourquoi tu n'as pas faim? Il n'a pas faim aujourd'hui. Tout ça pour pas que je réussisse à faire ma quête. Ah, bravo. Un œuf dur. Peut-être demain l'uni, je ne sais pas, les analyses n'ont pas bougé. Ouais, c'est bizarre, hein. Parce que hier, quand même... Bon, après c'était un raid et c'est pas compté les raiders, mais... Ça aurait dû bouger, hein. Et quand tu as sur tes résumés du stream, t'avais combien en moyenne? Ah oui, je sais pas, il fallait que je t'envoie ça, mais en gros sur les analyses en résumé du stream, tu peux mettre le pourcentage de gens qui viennent d'un host. Comme ça, tu sais à peu près combien il faut retirer. Près d'une maison, derrière quelque chose. Et c'est le master level. Ouais, même sans le raid, je suis dans les chiffres, alors... Oh bah ça va venir. Le bouton va se débloquer, je pense. Je sais pas quand est-ce qu'ils mettent à jour. Qu'est-ce qu'il dit? Promis dès que c'est ouvert. C'est moi qui offre l'entrée. Moi, adorable. Ah là! Il y a le nichoir. Oh, mon sac est plein. J'y arrive, petit nichoir. Attends, parce qu'il y a peut-être des fleurs que j'ai pas données. Est-ce que j'ai des trucs à donner? Oui.
Putain, j'ai 5 fleurs sur 361, on est mal barré. Hein. Et d'ailleurs, faire rêver c'est mon métier, ça coûte rien. Ah, c'est incroyable. Oh oui, c'est bien ça. Je suis totalement fier de ce nichoir, même si son toit est tout de travers. Eh oui, c'est grâce à lui qu'est née ma passion pour l'artisanat. S'il faut que je détruise mes précieux objets pour comprendre pourquoi je reste un fantôme... Vlan ! C'est l'idéal pour commencer. Le pauvre, il détruit tout ce qu'il a fait. Sweep ! La thune ! Bon, ça fait pas gagner beaucoup, mais bon. C'est bête de laisser traîner la thune. À quelle heure ? 21h ce soir, chez Minute. On vous y attend. Bon, du coup, près d'une maison, on a quelque chose. D'une maison derrière quelque chose. Son sac est plein. J'en ai marre d'avoir mon sac plein. Attendez, je vais poser des trucs. Ah, il faut que je recycle les fleurs. Elle est où? Je l'ai pas vue. Elle se camoufle si bien parmi les arbres. Je me couche sur le PC, j'arrive. Je crois que Didi s'est trompé de live. Tu viens jouer avec nous à DVD? Ou c'était pour Chichi? Si je mange à cette heure-là, mais je passerai les deux. Ah, ou c'était juste pour dire, bon, attendez, je reviens. Je sors de mon lit. Non, ça, c'est un arbre fruitier. C'est un arbre fessier. Oh, mais là, il y a un truc là que j'ai pas récolté. Plus ça va, plus je récolte de choses. Hein. J'ai plus de place, mais c'est pas grave, je continue. Mais c'est nouveau là, toute cette zone là en dessous. C'est pas si grand avant, si? Oh, mon custa, pourquoi tu as le cœur brisé? Oh, il est triste. On trouve des patates, mais pas d'œufs. Hein. Alors, j'en étais là pour mettre mon arbre fruitier. Ouais, il est content. Ils sont plusieurs, il est content. J'avais pas vu qu'il y avait le petit derrière. J'ai oublié que j'avais mis un petit là. Alors, bonjour, je souhaiterais ranger mon espèce. De type ça, ça, ça. J'ai pas d'œuf là-dedans. Il va falloir acheter du sel aussi. Oh, terrible. Mais le pire, c'est que je peux rien ranger d'autre, quoi. Par contre, je peux brûler... Je peux pas brûler les poêles. Du sel, tu peux en récolter. Ah ouais? Comment? Sur les gros rochers. Ah! Tu en as fait de la place. Il
faut encore qu'on trouve un muffin derrière une maison. Je cherche. Hein. Je cherche derrière les maisons. Le seul gros rocher que j'ai trouvé, c'est celui-là, là. Et je l'ai déjà... J'ai regardé ici, il n'y a pas de maison. Ah là, si, il y en a une. C'est pas terrible, hein. Et je crois qu'ici, on a des trucs à récolter des fois. Voilà, il n'y a rien. S'il n'y a pas de maison. Dans l'ombre, heureux. Tu es Batman. Tu es dans l'ombre. Bon, la seule maison que j'ai trouvée, c'était ici. Mais je trouve pas où il est le truc. D'une maison cachée derrière quelque chose. Dans les autres, je les ai trouvés par hasard, quoi. Ah oui, on peut voir un cerf normalement. Il veut du chocolat. Il est sérieux, lui? T'es passé devant? T'es passé devant? Passer devant. J'y retourne. Bah. Je les avais pas rangés. Je suis passé devant. Dites-moi chaud ou froid. Je spam ma touche A. La maison devant la mairie. Ah! Vroom, vroom, vroom. La mairie. Ah, il y a un gros caillou. Ah oui, il est là! Oh, il était caché. Il était bien caché. Vert sur du vert, là. J'ai rien vu. Bon! Vroom, 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 vroom. La table. Vroom. Waouh, tu as retrouvé tous les cure-dents. Les scouts à l'écoute doivent être ravis de t'avoir parmi eux. C'est bizarre quand même. Certains cure-dents avaient encore leur morceau de muffin. À quoi ça sert de prendre un échantillon si c'est pour le jeter par terre? Enfin, quoi qu'il en soit, merci petit cœur. Je vais me dépêcher de rincer les cure-dents au lave-vaisselle avant de les réintégrer dans la rotation. C'est vrai qu'elle voulait pas les utiliser. Encore rien compris. Oh, on a enfin un cœur! Eh? Je crois qu'elle nous aime bien. Son histoire va enfin progresser. À partir de un cœur, on a des brides d'histoire. Ah, du coup, la bébuche... Encore 4 bûches. On n'aura pas toutes les bûches aujourd'hui. Bon, du coup, on n'a pas de sel et on n'a pas d'œuf. C'est terrible. Pourquoi c'est marqué en mode point d'exclamation? Je le prends, mais... le sel! Ouah, c'est si cher! L'œuf! L'œuf, c'est pas cher. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Tant pis, je ne les ai pas trouvés. Qui
Tiens, fabrique-moi ça. Ah, c'est un œuf dur qu'il faut, donc faut le faire cuire. Faire cuire l'œuf. C'est ça qu'il disait Hippie. Il dit attention, c'est un œuf dur. Ah non, je peux pas le brûler. Mais comment on fait un œuf dur? Madame, je veux un œuf dur. Sinon, vous avez une mouche qui tourne autour de vous. Je pense qu'il faudrait peut-être vous laver. Hein. Ah oui, c'est là. Il en faut 12. Mais c'est une fucking blague. Bon. Allons farmer. Je peux pas récupérer les œufs là dans les arbres. Parce que regarde, là, il y a un arbre avec... avec des œufs. Hein? C'est pas possible. Et puis quand faut 12 œufs pour faire un œuf dur? Hein? Moi je mets un œuf dans de l'eau chaude et ça fait un œuf dur. Bon. Ah. Les trucs à fouiller. Il y a un nouveau champignon, on l'a jamais eu celui-là. Je crois qu'on n'arrivera pas à faire cette quête. Il avait qu'un œuf neuf, le monsieur. Le champi que le diablotin voulait. Il y a un diablotin qui voulait un champi, je l'ai même pas vu. À piquer les œufs dans les arbres pour faire des œufs durs, tu vas te retrouver avec des oisillons cuits. Oui. Est-ce que c'est grave? Il y a un diablotin qui voulait un champignon. Où ça? Parce qu'il y a un diablotin qui voulait un cœur en chocolat qui est en bas. Lui, il veut une patate. Tiens, prends ça. Oh, oh, une essence. Pouette. Et toi, t'as vu un diablotin qui voulait un champignon? Il était par où? Te souviens-tu d'où il se trouvait? Je sais plus. Mais je l'ai vu, je te jure. On va le retrouver le petit sacripant. De toute façon, on n'aura jamais les 12 œufs aujourd'hui. Je sais jamais où c'est. Mais je crois que t'as fumé quelque chose, Hippie. Hein. C'est peut-être le gars avec la patate. T'as cru que c'était un champignon. Mais c'est bizarre que lui, il est pas fin. Et re! Ah bah re. C'est bon, je suis là. Adélie est revenue. Mon café est glacé. Attendez, je vais prendre un plaid ou nez. Ouais.
un numéro inconnu qui m'appelle. Désolé, je faisais mon travail d'influenceur sur Insta pour annoncer le stream de ce soir. Moi, j'annonce tellement rien sur Insta. Mais il faut que je reprenne un peu le compte Insta, là. Ainsi que Twitter. Au Twitter, je sais pas si vous avez vu, je commence à reprendre. Doucement. Je vais faire les annonces des deux lives, là. N'oubliez pas... Ah oui, du coup, je vous fais les annonces après, mais demain et après-demain, il y a des lives spéciaux. Salut Nightingale, comment va? Bon matin. J'ai rêvé que tu m'appelais pour me dire que les voisins volaient des choses sur mon balcon. Voilà. C'est tout automatisé, les annonces et tout. Ah oui, moi aussi c'est tout automatisé, mais en gros je parle pas que des annonces. Je parle d'entretenir une communauté différente pour attirer un peu plus de monde. Sur les lives. Parce que par exemple, il y a plein de gens sur Insta qui me suivent, qui, je suis sûre, ne savent pas que je fais des lives. Parce que avant, je faisais surtout des photos Disney. Donc j'ai une communauté très Disney-phile. Il y a un nom pour les gens qui aiment le Disney ? Je sais même pas. Bon bah, je pense qu'on a fait le tour. Il fallait ranger tout ça. Mais ouais, tu fais des rêves bizarres. Après, si le mec il veut voler des trucs sur ton balcon, il en faut du quoi. Ah non, mais c'était un voisin. C'est le voisin d'à côté. C'est terrible. Alors d'habitude, je fais tout brûler, mais là, j'ai l'impression qu'on va en avoir de plus en plus besoin. Il n'y a que les coquillages qu'on n'a pas besoin. Et salut le bazar du manoir, des rêveurs, des Disney fans, des dingos. Bah super. On est bien ici, on est bien. Ah c'est quoi? Attendez. C'est quoi que j'ai récupéré? J'ai cru que c'était une... Portail. Ah bah on va mettre le portail là. Exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est le pays des ouin-ouin, des pseudos bien pensants Twitter. Oui, mais... Il faut. Je suis aussi à cosy devant ton live. Je suis jour 5, incroyable. Ah, jour 7, je pense que tu vas me dépasser ce que je joue pas en off du coup. Pour faire les petites histoires. Et les épisodes d'ailleurs, je me demande si je vais pas les remettre sur YouTube, si on va pas recommencer à faire des sauts sur YouTube, sachant que j'ai une cour du tonnerre. Hop. Allez, je range tout, c'est bon. On a fini avec Cozy.